entre chien et poulpe. Texte et illustration, Martin McKenna. Maison d'édition, Tom Poche. Edgar veut un chien. Mais Edgar n'a pas eu un chien. Il a eu Jarvis. Oh! Jarvis ne peut rien faire comme un chien. Il est tellement agaçant. Edgar doit bien admettre qu'il est très intelligent. Concours de chiens. Semaine prochaine. Récompense fantastique. Tiens, tiens. Oh. Il est même trop intelligent. Enfin, peut-être qu'avec un peu d'entraînement, Jarvis pourrait apprendre à faire certaines choses comme coucher. Ou alors, fais-le mort. Mais Jarvis en fait toujours trop. Ce qui rend Edgar complètement fou. Non, non, non! Jusqu'à ce qu'enfin... Assis! Finalement, Jarvis va peut-être ressembler à un chien. Youpi! Youhou! Le grand jour du concours de chiens arrive. Et Jarvis est fidèle à lui-même. Edgar a tellement honte. Pourquoi ne peut-il pas avoir le chien de ses rêves au lieu de ce débile de Jarvis? Quand Jarvis décide un jour de partir. Désolé d'avoir été un aussi mauvais chien. Bisous, Jarvis. Edgar comprend qu'il a eu tort. Jarvis n'était pas un chien. C'était le meilleur toutou poulpe du monde. Edgar veut que Jarvis rentre à la maison. Il part à sa recherche. C'est la photo de Jarvis. Avez-vous déjà vu Jarvis ? J'ai eu tort, c'était mon ami. Monsieur, s'il vous plaît, monsieur, vous avez déjà vu Jarvis? Mais Jarvis est introuvable. Oh Jarvis, pardon d'avoir été aussi méchant avec toi. Reviens, s'il te plaît. Jarvis, reviens. Faites passer. Jarvis, reviens. Faites passer. Jarvis, reviens. Faites passer. Jarvis, reviens. Faites passer. Ouh, je suis malade. Jarvis, reviens. Faites passer. Ah, Jarvis, reviens. Faites passer. C'est tout ce que Jarvis voulait entendre. Oh, Jarvis! Ah, trop bien. Oh, c'est chouette. Bon retour, Jarvis. Bon retour, Jarvis. Il est là. Oh.
chouette alors! Oh ouais! Il est revenu! Yeah! Youhou! Force d'être désagréable avec son animal de compagnie, Edgar a bien failli se retrouver tout seul. Ça fait du bien de se détendre avec des histoires. Si tu as aimé ce livre, tu as le lien pour l'acheter en dessous, dans la description. Et pour ne louper aucune histoire, tu peux t'abonner à la chaîne, activer la cloche pour être informé des nouveautés, mettre un pouce en l'air et nous écrire un joli commentaire. À très vite les amis.